par le fait que Nadège est venue nous avoir contacté par mail, moi et plusieurs autres services, voilà, en nous expliquant qu'il y avait en conseil des enfants qui étaient en place et qu'ils avaient une enveloppe qui leur était attribuée par le collège communal et qu'ils avaient plusieurs idées, plusieurs projets en tête qu'ils aimeraient bien mettre en place avec cette enveloppe-là. Et donc, c'était pour voir un petit peu ce qui était possible, voir les synergies avec la ville, est-ce qu'il y avait des choses qui étaient déjà mises en place dans les mêmes thématiques, etc. Et voilà, voir comment on pouvait travailler ensemble pour mener à bien les projets des enfants. On a parlé de ce qu'on voulait faire dans la ville et dans les écoles. Donc, le premier, c'était soit mettre des poubelles dans les écoles pour trier mieux. Puis, il y avait dans les cours de récré certains jeux. Et on avait aussi pour les plaines de jeux, mettre des nouveaux jeux et tout. Et surtout, on a fait des votes. Et on a eu plus de votes pour l'école. Ils avaient émis l'idée de remettre un peu du mobilier dans les cours de récréation. Donc on était parti sur, on va dire, deux grosses idées à ce niveau-là. D'une part, un peu plus de mobilier, des bancs. Enfin voilà, on avait Marie qui avait trouvé des beaux donuts et tout ça, plus pour faire des coins discussion. Et d'un autre côté, vraiment des jeux pour les cours de récréation. En discutant avec les enfants, on se rend compte qu'une cour n'est vraiment pas l'autre, qu'il y en a certaines qui sont déjà très bien équipées, d'autres pas du tout, d'autres qui sont équipées en jeu mais pas en banc ou inversement. Donc voilà, maintenant qu'ils ont vraiment choisi ce projet-là, ils vont devoir rédiger une lettre pour les directeurs de toutes les écoles pour leur demander s'ils sont d'accord déjà et puis demander un petit peu leurs besoins. Et donc après, au prochain conseil communal des enfants en juin, on va vraiment avoir une liste exactement de ce qu'il faut et on va pouvoir représenter ça aux enfants, vraiment avoir quelque chose de plus concret. Le rassemblement, c'était pour une journée pour les conseils communaux des enfants. On était avec 500 enfants et 32 communes, je crois. Et on a fait des activités. Les activités, c'est du lifting. Vu que la caméra était cassée, on a fait un loup-garou. Juste après, on a eu du survie, du camp de survie. On a fait du feu et on a fait, si on était en forêt, pour boire de l'eau. Juste après, on a fait du water polo, on a fait des matchs et tout ça, c'était très amusant. Une journée comme le conseil communal des enfants, comme ça on s'amuse et tout ça, et on rencontre les autres communes, les enfants des autres communes.